L'esprit de 1860. In the 1840s, Birkenhead is a new town on the banks of the River Mersey in northwestern England. Dans les années 40, Birkenhead était une ville nouvelle, située au bord du fleuve Mersey, dans le nord-ouest de l'Angleterre. On the 30th of August 1860, an American, George Francis Train, opened the first purpose-designed tramway in Britain. Birkenhead was the only town to grant him permission to construct such a tramway. Le 30 août 1860, un Américain, George Francis Train, inaugura le premier tramway britannique. Birkenhead fut la seule ville autorisée à construire spécialement ce tramway. The new horse tramway ran for 1 mile from Woodside Ferry Terminal for Liverpool to Birkenhead Park, the first public park in the country on which Central Park, New York was based. Le nouveau tramway, tiré par des chevaux, parcourait 1 km 600 depuis Woodside, le terminal de car ferry venant de Liverpool, jusqu'à Birkenhead Park, le premier parc public du pays, qui fut le modèle pour Central Park à New York. Tram number 7 survives from the 1870s, having been restored by enthusiasts to its original style. Le tram numéro 7 a survécu depuis les années 1870, ayant été restauré par un groupe de passionnés dans son style d'origine. The firm of Starbuck of Birkenhead made trams for all over the world in Victorian times. They supplied trams to the Isle of Man in 1876 for the new tramway on Douglas Promenade, the main resort of this holiday island. It was a favorite place for day trippers from Liverpool and the Lancashire coast. À l'époque victorienne, la compagnie Starbuck de Birkenhead fabriquait des tramways pour le monde entier. En 1876, ils fournirent le nouveau tramway de l'île de Man sur la promenade de Douglas, le centre de cette île de loisirs. C'était un lieu de prédilection pour les vacanciers de Liverpool et des côtes du Lancashire. The island is 70 miles over the sea from Birkenhead. L'île est à 100 km de Birkenhead à travers la mer. Transport systems from the 19th century give it a unique atmosphere. Le système de transport datant du 19e siècle lui donne une atmosphère unique. It is surprising to find the horse tramway of 1876 still operating much as it would have done in Birkenhead in the 1860s. Nowhere in the world will you find such a system still operating on public roads. Il est surprenant de trouver le tramway à cheval de 1876 encore en activité, de la même façon qu'il fonctionnait à Birkenhead dans les années 1860. Nulle part ailleurs dans le monde, vous pourrez trouver un tel système opérant sur des voies publiques. Forget the cars and buses of today, take the horse tram. Imagine yourself in Edwardian times, when the horse was the main form of transport. Oubliez les voitures et les autobus de notre époque moderne. Prenez le tramway équestre. Imaginez que vous êtes à l'époque édouardienne, lorsque les chevaux étaient la forme principale de transport. The tramway was successful from the start when Thomas Lightfoot, a retired English engineer living on the island, created it. It opened on the 7th of August 1876. Le tramway fut un succès dès le départ lorsqu'il fut créé par Thomas Lightfoot, un ingénieur anglais à la retraite, vivant sur l'île. Il fut inauguré le 7 août 1876. In 1893,
It linked with the new electric tramway from Douglas to Laxey in the north. En 1893, il fut relié au nouveau tramway électrique allant de Douglas jusqu'à Laxey dans le nord. Electrification was considered but never materialized. There was concern that overhead cables might spoil the promenade. L'électrification fut envisagée, mais jamais réalisée. L'on s'inquiétait du fait que trop de câbles aériens puissent gâcher la promenade. Passenger numbers reached 1.5 million by 1897 and reached a peak of 2.5 million in 1927 as holidays from the mainland became more popular. Le nombre de passagers atteint 1,5 million en 1897 et parvint même à un maximum de 2,5 millions en 1927. Les vacances devenant plus populaires en Grande-Bretagne. It is Nigel's turn to come on duty. He is a strong horse and will take the double deck tram. C'est au tour de Nigel d'aller à la tâche. C'est un cheval solide et il prendra le tram à deux étages. By 1952, only one double-deck tram was in use, and it was sent to the Transport Museum in London. Today it is back on the island and runs in service twice a day with Nigel. Vers 1952, on utilisait seulement un tram à deux étages, et il fut envoyé au Musée des Transports à Londres. Maintenant, de retour sur l'île, il effectue deux trajets quotidiens avec Nigel. Once a horse is too old to work, at about the age of 12, it may retire to the rest home for retired horses. Lorsqu'un cheval est trop âgé pour travailler, vers 12 ans, il peut prendre sa retraite dans la maison de repos pour les chevaux en retraite. There is even a sick bay for those not in the best of health, and in retirement they are well looked after. Il y a même une aire de convalescence pour ceux qui ne sont pas au milieu de leur forme. En retraite, l'on s'occupe bien d'eux. After many threats of closure, the tramway has become a seasonal tourist attraction, charging premium fares, and the future is secure. Après plusieurs menaces de fermeture, le tramway est devenu une attraction touristique à coût élevé et le futur est maintenant assuré. Puisse-t-il trotter longtemps pour garder à notre mémoire l'époque édouardienne, les jours où le cheval régner de façon suprême. Long may they run to recall the Edwardian age of the days when the horse reigned supreme.